Attends. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Le talent est là. Eh oui, ça c'est Paul Valéry. Ça c'est évidemment, c'est au-dessus de la mêlée. Eh oui, chers amis, tel le penseur de Rodin, nous allons repenser un moment quand même à ce mois d'avril. Ne te découvre pas d'un fil. Si seulement nous y avions un peu plus cru, notre parcours ce mois-là n'aurait pas été celui dont nous allons vous parler à l'occasion de ce 4e journal de Cersou. 4. Eh oui. Eh oui. Bouclette, paillettes, aftershave et tout son talent intact. Il est revenu au club. Quel plaisir de retrouver Rémi Cabella qui était venu dans le cadre des 10 ans du titre, donner le coup d'envoi du MHSC Brest de ce mois d'avril. Et c'est le 6 de ce mois que Rémi a conclu avec le président Laurent Nicolin une collaboration jusqu'à la fin de la saison. Un immense retour apprécié de tous. Aftershave, couleur, joie de vivre et talent balle au pied. Rémi Cabella, c'était le mois d'avril. Mon premier a passé 10 ans au MHSC. Il a joué 173 matchs, 75 en Ligue 1 et puis surtout, et pour l'éternité, c'est lui qui aura marqué ce légendaire but contre Lille. Il a donné le coup d'envoi dans le cadre des festivités du 10e anniversaire du titre. Le coup d'envoi du dernier match Montpellier-Reims au stade de la Mosson, bien sûr, c'est l'inoubliable Karim Aïtfana. Chers amis, supporters d'un jour, supporters toujours et supporters de demain, à l'occasion du déplacement de notre équipe à Lyon tout dernièrement, le club des loulous, les petits supporters du MHSC, a fait le déplacement pour encourager notre équipe. Une belle journée, une grande journée pour eux, eux qui nous soutiendront demain ardemment. Ah, un événement majeur, chers amis, événement majeur de ce mois d'avril avec le retour au stade de nos plus chauds supporters de Butte Payade et d'Armata. Après la levée des restrictions sanitaires, bien sûr, à l'occasion du match contre Brest, eh bien, les supporters étaient là pour donner de la voix. Voix qui nous accompagnera, nous et l'équipe, jusqu'au bout de la saison. Voilà notre meilleur buteur, Eli, avec 9 buts depuis le week-end dernier, votre 9e à Lyon. Ça vous surprend? Non, après, je fais tout pour aider l'équipe au maximum, mais j'espère continuer à le faire de mieux jusqu'à la fin de saison. On se fixe les objectifs, on les repousse au fur et à mesure, parce que 9 buts, au fond, c'était peut-être pas ton objectif initial, si? Bah si, depuis le début de la saison, je me suis dit que j'atteigne la part des 10 buts pour faire une bonne saison. Après, il en reste un, il faut que je continue à faire ce que je fais de mieux. Ça va vachement vite, hein? Ouais, c'est vrai que ça va vite. Pourvu que ça dure. Merci beaucoup, 9 buts. Bon, nous avions donc débuté ce mois d'avril à la 11e place et nous achevons ce même mois un rang en dessous à la 12e place. À l'issue de ce mois pas très fameux, où nous avons quand même perdu 4 matchs pour un seul nul contre Reims, perdu contre Brest, perdu à Marseille, perdu à Lens, perdu à Lyon. Ah, ce sera pas le meilleur des mois de cette saison, on n'en a pas douté. Ah, au fait, chers amis, ironie mise à part, dans le contexte actuel, toutes les bonnes nouvelles, nous, on prend. Vous comprendrez pourquoi. J'ai bien dit ironie mise à part. En voilà une bonne nouvelle. C'est un immense plaisir pour nous de retrouver Pedro Mendes, bien sûr, au complexe. Pedro, on est très heureux de te revoir. Et toi, où en es-tu? Ça, c'est la question qu'on t'a posée 1500 fois et que tu dois en avoir jusque-là. Oui, un peu aussi, mais l'important, c'est d'essayer d'évacuer la douleur que j'ai sentie depuis quelques mois, que ça m'a empêché de progresser. Et une fois qu'on passe ce cap-là, il faut retrouver les bonnes sensations sur le terrain. Et c'est ce que j'ai essayé de commencer à faire cette semaine. D'entrée, tu l'as su que ce qui t'est malheureusement arrivé, hein, c'est les croisés du genou gauche. Hein. Tu savais que ce serait long, mais tu n'imaginais pas que ça le serait autant. Non, parce que depuis le moment que j'ai reçu la mauvaise nouvelle de rupture du croisé, je commençais à faire des calculs pour quand est-ce que serait mon retour. Et la prévision, c'était entre novembre et décembre. Et j'ai mis ça comme objectif dans ma tête. Et
de reprendre, je commence à sentir des mauvaises sensations au genou. Et voilà, après, c'est des choses qui... Ça peut arriver d'avoir des tendinites liées au croisé. Est-ce que ça m'est arrivé, mais franchement, je ne m'attendais pas à attendre aussi autant de temps pour revenir. Quoi. Des étapes autant que des épreuves te concernant. Hein. Tu es resté longtemps ici, tu es parti poursuivre ta rééducation, ton travail de remise en état, si je puis dire, à Lisbonne. Mm-hmm. Hein. Et puis tu étais aussi à Clairefontaine, c'est ça, ces derniers temps? C'était en fait au mois de Noël. J'ai essayé au lieu de prendre des vacances, j'essaie de me remettre en forme pour revenir ici et essayer de reprendre au mois de janvier. Mais malheureusement, c'était pas comme j'avais prévu et ça a mis un peu plus de temps. Et après, j'ai essayé avec le club d'essayer de trouver une solution. Et la solution, c'était d'aller à Clairefontaine. Et aujourd'hui, je suis là, un peu mieux. Et je pense que petit à petit, je vais retrouver la forme physique pour être sur le terrain le plus tôt possible. Et mentalement, Pedro Mendes, il en connaît un rayon. La phrase mérite d'être citée, Pedro. Ce n'est pas la victoire qui rend l'homme beau, voilà, mais son combat. Cette phrase-là, tu la connais très bien, c'est la tienne. Oui, parce que c'est ça en fait. Il ne faut jamais lâcher, il faut y croire, même si parfois tu te doutes. Tu te poses 10 000 questions, mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Moment, en ce moment, je suis beaucoup très heureux, très ravi d'être là, de pouvoir être sous le terrain. Et je profite toutes les petites victoires que la vie me rend. Et je la rattrape avec mes doigts et mes dents s'il faut. Et voilà, c'est ce qui fait la vie. C'est d'être heureux, même dans les mauvais moments. Tu reviendras, je suis certain, on en est certain. Et puis, on a besoin de toi, Pedro. Merci. Je travaille pour ça. Est-ce que quand tu viens ici, faire l'essayage... C'est l'autoroute A7, ça. Il n'y a pas de colline. A7 ou A7? Quel humour. Tu es taquin. J'ajoute que pour des raisons d'économie, CERS à 4 lettres, c'est pas très très cher non plus en matière de flocage. D'ailleurs, je cherche mon maillot. Je ne le trouve pas. Alors, il faudra bien que d'ici le début de la saison prochaine, nous nous occupions de cette affaire. Tiens, en parlant de la saison prochaine, on va surtout parler de la fin de cette saison. Profitez de l'occasion parce qu'elle est trop belle. Jusqu'à la fin de cette saison, les maillots de l'équipe, vous en voyez quelques-uns ici, vous sont proposés au tarif très attractif de 50 € sur la boutique en ligne. Et puis au MHSC Store à Odysseum, 50 € le maillot jusqu'à la fin de la saison. C'est immanquable, c'est inratable. Quels que soient les résultats, chers amis, quel que soit le temps, il nous faut inexorablement regarder devant, regarder à l'avenir. Et l'avenir, c'est ce mois de mai, avec 4 derniers matchs cette saison. La réception de la Lanterne Rouge Metz. Et puis, nous nous déplacerons à Clermont avant de recevoir les champions de France parisiens et de boucler la boucle à Angers. Voilà le programme de mai.